Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment changer de police sur Windows 10. Alors, cette procédure est assez facile. Déjà, tu vas cliquer sur Démarrer tout en bas à gauche. Ensuite, tu vas cliquer sur Paramètres. Ensuite, ici, tu vas cliquer sur Personnalisation tout en haut à droite. Et maintenant, ici, tu vas cliquer sur Fonts qui est Police. Et ici, tu vas pouvoir voir tous les polices disponibles pour Windows 10, tout simplement. Donc, ce que tu vas faire, tu vas tout simplement trouver la police qui t'intéresse. Disons qu'on veut cette police Arial. Voilà, on va retenir le nom Arial. Et ce qu'on va faire, on va réduire ceci et on va créer un dossier, un nouveau dossier TXT ici, document TXT. Voilà. On va laisser le nom comme ça. On va ouvrir le fichier. Et ici, tu vas copier et coller le texte qui est dans la description dans ton fichier TXT tout simplement. Et ici, à Enter New Font Name, tu vas juste entrer le nom de la police que tu veux utiliser et qu'on a remarqué tout à l'heure. Comme tu peux le constater, moi j'écris Arial tout simplement. Juste là-bas, c'est tout le changement que tu vas faire dans ce texte. Et tu vas cliquer sur Fichier et tu vas cliquer sur Sauvegarder comme. Et ensuite, tu vas donner un nom à ce fichier. Tu vas mettre un nom et après le nom, tu vas mettre .reg tout simplement après le nom. Et comme type de fichier, tu vas choisir All Files ou alors tout fichier. Voilà. Et tu vas sélectionner l'endroit où tu vas mettre ton fichier. Voilà, je la garde sur mon desktop. Voilà, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, si je ferme ce fichier, tu pourras voir qu'un nouveau fichier police a été créé. Maintenant, pour changer la police sur mon ordinateur Windows 10, je vais tout simplement ouvrir ce fichier et je vais exécuter. Après avoir exécuté, je vais tout simplement redémarrer mon ordinateur et j'aurai changé la police sur mon ordinateur Windows 10.